Allez, c'est parti. C'est la télévision française. Bonsoir. Ici André Michel. Chers amis téléspectateurs d'Antenne 2, je fais partie d'une délégation d'observateurs étrangers venus en Amérique pour sauver les pauvres Indiens du massacre. Nous sommes arrivés de Paris il y a à peine une heure et déjà nous avons visité notre première réserve indienne, le Chinatown, dont le chef est le cousin du grand chef des Hurons, Conrad Siwi, Chop Siwi. Je vous résume les faits. L'armée du Québec veut empêcher les guerriers indiens d'honorer leur dieu Bingo. Ici même, sur le terrain de golf d'Oka, Oka, un vieux nom indien qui signifie là où le fromage pue. C'est aujourd'hui que se termine l'ultimatum de 48 heures lancé par le président de la République, Robert Bourassa. Nous aurions aimé vous présenter en direct les images de la charge de la célèbre cavalerie de la police montée sur les indigènes, mais malheureusement, on nous apprend que le génocide qui était prévu pour aujourd'hui risque d'être reporté à plus tard. C'est très mal organisé. Par contre, l'ambiance ici est vraiment formidable. Partout où nous allons, nous sommes accueillis par des cousins québécois qui nous lancent ce mot de bienvenue. Es-tu malade, toi, Esti? Je vous rends immédiatement l'antenne, car on m'apprend à l'instant qu'un groupe de pirates serait en train de massacrer une autre tribu locale, les Expos.